Bonjour! Bonjour les petits amis, les petits potes, les petits. Bon, les gens là, les personnes qui me regardent. Le peu de personnes qui me regardent. On se retrouve pour du coup le deuxième épisode sur Chia, hein, évidemment. Hein. Je ne pouvais pas ne pas le faire aussi vite. Hein, parce que les épisodes suivants arriveront moins vite, par contre, ça, c'est pas si évident. Je vais essayer d'aller assez vite dans ce que je vais dire au début de la vidéo. La dernière vidéo était assez saccadée parce que j'ai fait de la merde avec XSplit, et ça s'est mis en 30 FPS. Là, je l'ai mis en 60 FPS et en 1080p aussi. Donc, le fichier va être plus grand et long à render. Mais bon, c'est pas grave, au moins ça sera mieux, ça sera moins dégueulasse. Pourquoi je gueule? Pourquoi je hurle? J'ai aucune putain de raison de hurler. Ça va être moins dégueulasse et bah ça va être cool. Donc, hein, comme je l'ai dit, super jeu 2023, patati patata. Teti par Malabar. Nous, on va aller sur Aemon. 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 Je ne sais pas comment ça se prononce. S'il pouvait y avoir, je sais pas, les devs du jeu. Comment ça s'appelle? Les devs du jeu, ou je sais pas, bon. Comment ça s'appelle? Des Kanaks qui pourraient m'indiquer bah, comment ça se prononce. Ça serait très 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 cool, mais je vais le prononcer Aemon. Aemon. Ah, et Moon, non, c'est. Quoique ça peut venir de l'anglais aussi. Puisque je crois que les. Genre Kanak, je crois que ça vient des colons anglais. Ouais, faut s'en bat les couilles. Cinématique. Enfin, cinématique, je crois. Ah. Je continue un peu de parler ici. Voilà, belle est. Voilà. Oh, il y a une madame. Activité côtière, port! Ok, donc. Ah, c'est une ville à Aemon. Ok, il y a plein de machins. Il n'y a pas humain! Carte, très bien. Bon, c'est pas une cinématrique qui est très importante là, c'est juste. Elle vient d'arriver, elle commence à. Oh, trop bien! Du coup, il n'y a pas humain sur les cartes, j'imagine. C'est pas une activité de regarder un panneau d'orientation. Il y a plein de gameplay. Oula, il y a un truc vert. Oula, c'est quoi le vivant là, le. Ok, ok, bah ça a l'air incroyable, hein. Port, voyage rapide, personnaliser le bateau. On peut personnaliser le bateau, trop bien. Des endroits très utiles, il y en a partout dans l'archipel. Je peux voir un voyage rapide, oui, bon, c'est marqué au-dessus. Alors, carte, mini carte complète de jeu. Moi, ouais, c'est Ianoj et Mad. Peut-être la note, je crois, ça se lance comme ça, je dis pas de bêtises. Enfin, si je dis pas de bêtises, je connais pas, donc ça doit être en Géo, non? En Géo, non? En Géo? Ouais, c'est dans ça. J'ai pas le bagage, malheureusement, j'ai pas le bagage culturel qu'il faut pour comprendre ce genre de choses. Peut-être d'autres îles inexplorées aux alentours. Oh, trop bien. C'est aussi un jeu d'exploration, hein. Ouais, oula! Qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce qu'il fait? Que? Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour. J'ai super peur. Qu'est-ce qu'elle dit la petite fille?
Il y a un coffre. Il y aura un coffre dans un truc verrouillé. Je parle pas beaucoup. Je lis assez peu. Est-ce qu'on peut... Oh, il y a quelqu'un. Il tente... Arrête de bouger. Que tu formes, tu utilises pour un mystique. Comment ça? Putain, c'est un truc que vous avez tous chez vous, pour un mystique, sur votre île, là. Je croyais que j'étais la seule en dehors de... Du bras droit et vaguement leur boss là qui est sur. Faut aller où? En fait, c'est un jeu d'exploration, hein, je suis en train de me dire. Machine à grappin. Comment ça, machine à grappin? Oh mon dieu. Papa, 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 papa. Bon, je peux visiblement pas jouer pour le moment. Oh! Y'a un petit chien! Viens par là! Voilà, je l'ai caressé. Et voilà! Il caressait le chien. Il s'est mis à voir. Attends, le bibendum là, qui est je sais pas où. C'est censé être ce truc. Pourquoi il a pas de nez? Oula, il y a encore un chien. Non, le chien! Arrête de courir! Il court plus vite que moi! J'allais lui tirer dessus! C'est vraiment trop cool. La musique est gigantesque. Gigantesque. Tap, tap, tap. Poubelle. Est-ce qu'on peut fouiller, poubelle? Est-ce qu'on peut piquer une botte? On peut la pousser. Il y a eu que de la violence! L'hécatombe. Ah oui, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Il était qui? Ah, tu joues au cache-cache? Mais... Bah pas sur la route! Si tu veux te caresser. Mais va pas sur la route, espèce d'inconscient! Entre non, c'est manigance. Bizarre. Montre tes émotions, les gens réagiront. Bah, vas-y, je te montre mes émotions, tiens. Hé. C'est trop bien, hein, ça a l'air trop incroyable. Je montre qu'on va faire en premier. Non, parce que je pense qu'il y a sûrement plein d'explorations à faire, mais je suis pas forcément quelqu'un qui fait de l'exploration. Quand j'ai une ligne droite en fait. Genre dans un jeu comme Hollow Knight où l'exploration est nécessaire pour avancer dans le jeu, si dans un jeu l'exploration c'est... Il me suit en plus, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'attrape? Je vais t'attraper! Ah! Mais non! Mais non, 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 non. Mais non! Mais faut pas faire ça! J'ai rangé le chien dans mon inventaire, le chieng! Comme dirait quelqu'un que je connais, qui se reconnaîtra. C'est des grandes quenottes. Le chieng! C'est temps de nourrir. Mais. Ah non, c'est pas une activité. Bonjour! Non, 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 on va faire ça! Arrête! Bonjour, pas tant de bonheur. D'accord, très bien. Mais comment ça, c'est une tenue intéressante, je t'emmerde! Ah oui, c'est vrai, faut... Bah, ah oui, les emplacements de pierre. Ouais, ça serait peut-être très utile. J'ai... Oh, bonjour! Bah finalement, si quand l'appétit va, tout... Ah oui, c'est vrai qu'il faudra que je trouve les pierres en fait. Je me demande si c'est indiqué de manière claire. Il y a un totem, là je sais pas ce que c'est, mais... Bah c'est un totem, simplement. Et là, il y a quelqu'un qui...
Écoute, je vais pas te déranger. Mais Miavora, c'est ça Miavora? Cette merde! Pourquoi il a l'air gentil? C'est pas le méchant. Oh, il y a les cigales. Il y a les oiseaux. Il y a un jerrycan. Tu crois que je peux balancer le jerrycan sur les gens? Ouais, on va. Quoi là-bas? Défi course. Alors attends. Ok, allez, on va commencer la course. Ah, très bien, on va pas commencer la course. Pa 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 la pa 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 pa. Moi j'explore, hein. J'ai dit il y a 5 minutes! Non, je ne vais pas explorer si j'ai une ligne droite. Et là, je commence déjà à me perdre dans la pampa. Oh, c'est trop beau! Je hurle, ça va saturer sur la piste son. C'est quoi là-bas? Il y a un truc là-bas aussi. Oh! Je peux sauter dans l'eau! Ouh! Il y a des poissons! C'est beau ce machin. Une tortue! Je hurle, mais comment. C'est pas possible, hein. Il y a un truc qui fait de la lumière là, c'est quoi ça? Ah! C'est un feu de camp, d'accord, très bien. Hop! Feu de camp allumé. Comment ça s'appelle? Humanité restaurée, voilà. J'ai joué qu'un seul Dark Souls, c'est pas assez. Et c'était pas une expérience de jeu qui m'intéressait. Voilà, vous ne verrez pas de Dark Souls sur cette chaîne. Déjà, vous voyez déjà peu de choses sur cette chaîne. Une poule. On peut la pète, non? Ouais, le petit corbeau! Oh, il est content. Oh non, il va pas me poursuivre. Lui aussi. Déjà qu'il veut le chien. Non, il y a le corbeau. Il y a un truc là-bas. Ah, il y a un panneau. Panneau! Alors, où suis-je? À Lyon, alors. Ah, si je dis pas de bêtises, c'est là où j'étais. Non, c'est pas du tout là où j'étais. Non, moi j'étais là. Et là, il y a mon truc. C'est M, c'est-à-dire quoi? C'est rencontrer un Béavora, un magasin, oui. En vrai, là, je crois. Ça a l'air d'être un monde ouvert, mais. Un monde ouvert, je crois que c'est un monde ouvert. Le problème, c'est que j'arrive jamais à savoir qu'est-ce qu'il y a un monde ouvert et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Mais le monde ouvert, c'est qu'il n'y a pas de transition, mais là, il n'y a pas vraiment de transition en dehors de certaines cinématiques. Enfin, c'est pas. Genre, c'est. Bonjour. C'est pas des cinématiques de transition, c'est plus des cinématiques du tu es arrivé à un nouveau lieu, voilà la cinématique. Donc, c'est. Il y a une biche? On s'insère. Viens par ici, toi? Non, 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 alors tu vas pas faire ça? Le daim! Non, il s'enfuit! Bon, bah tant pis. Tant pis pour le cerf, hein. Tant pis pour lui. Dong, dong. C'est trop beau. Après, j'ai envie de dire, autant aller déjà aller voir Miavora. Peut-être qu'on aura le, on pourra accéder au pouvoir de bon dame là. Parce que pour le moment, j'ai pas vraiment de. Youhou! C'est quoi? Bref, pour le moment je l'ai pas et ça pourrait être intéressant de l'avoir parce que du coup je pourrais me transformer en autre coco. C'est ce qui m'intéresse. Après on peut tout posséder je crois dans ce avec le bon dame, hein. C'est-à-dire on peut. Y'a quoi là-bas? J'ai déjà envie d'aller partout, hein. Il est dingue ce jeu, il est vraiment très bien. Moi j'adore, je l'adore de tout mon cœur, vraiment. Hein.
Oh, peut-être une mémoire. C'est quoi? Faut lancer le jerrycan, c'est ça? Alors, RT, c'est. Ouais. Ok! Eh bah écoute, eh bah écoute mon petit pote, je savais que c'était une bonne idée de ramasser le jerrycan. Oh c'est la musique. Oh le petit harmonique. Je... je savais que c'était une bonne idée de ramasser le jerrycan. Bon bah maintenant j'en ai plus. Bonjour! Quand je vais perdre, je plante une pièce sur la carte. Oui, je connais Hollow Knight. Je peux même pas entrer. Mais pourquoi il y a le truc d'Andy Warhol avec Mea Vora là? Andy Warhol. C'est un connard d'ailleurs, je pense qu'il dit pas de bêtises. C'est un vilain garnement. C'est quoi? Alors. Ok. C'est quoi qui est épinglé là? Non mais arrête. Où suis-je à Lyon? Bon, et hop, au revoir. Putain, mais le palais flottant là. C'est cool hein, ça fait un peu Mario Galaxy, mais. Sans la gravité de l'espace qui fait des trucs bizarres, donc c'est de la magie. Ou la magie, ou peu importe que ça soit, c'est les énergies. Alors, cinématique. Je crois. Ouais. Premier numéro. Numéro colis 9-9. Colis 9-9, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Je dois parler à... Mais à Vora. Ah, remplissez ça. Parfait. Voilà, ça c'est la liste des offrandes pour obtenir un entretien. Attendez, quoi? Si vous voulez parler à Mea Vora, on va la coutume. Bien sûr. Allez, tata. Hé, hey, félicitations! Par ici, s'il vous plaît. Ok. D'accord, très très bien. Bah déjà, bonjour aux Français dans ce jeu. Hein. Évidemment, c'est la Nouvelle-Calédonie, donc... c'est le caillou, donc évidemment, il y a les... C'est, on parle aussi un peu français, hein, c'était indiqué au début. D'accord, très bien. C'est la maison qui rend fou, c'est le laisser-passer à 38. Hein. Par contre, du coup, c'est où exactement? Attends, c'est sur quoi déjà qu'il faut appuyer pour avoir la carte? C'est là. Alors, faut aller où? À gauche. Ouais, à ma gauche. Putain, mais la bureaucratie! Oh là 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 là, la bureaucratie!
C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Mais ouais, ce jeu, c'est, ça a l'air incroyable. Hein. Ouais. Attendez, il y a une madame là-bas. Oula, qu'est-ce que tu vois? Où tu vas? Sans faire enlever. D'accord, très bien. C'est une propriété privée, on peut taguer ce qu'on veut, très bien. Ne vous inquiétez pas, les... Moi, je suis avec vous, hein. Je suis tout cœur avec la liberté artistique des jeunes. C'est des jeunes. Des gens en général, hein, finalement, la liberté artistique de tout le monde. Et c'est pas là. Il y a un truc là-bas. C'est pas le... Ouais, c'est la figurine tressée. Et où le faites quand? Non mais... Il est là. Que dalle! Il y a un jerrycan. Ah! Je vais rien dire. Wouhou! Alors. Ah, cinématique. Il y a les nuits, il y a les étoiles. Let's gong. Alors, activez le mode bon dame avec LB, c'est le bouton de gauche. Vise la cible, réalise un dame. Tiens, pourtant, c'est pour unique. J'ai un animal à la troupe pour utiliser. Cette dame réduira tant que tu contrôles quelque chose. Ok. Donc, j'imagine que. Enfin, c'est une jauge rechargée ou pas? Non, mais du con. Ouais! Je suis une noix de coco! Voilà, cinématique. Bravo, tu es une noix de coco! Ah, ça commence à. Ok. Je suis une noix de coco! Alors, tu peux projeter pour voir. Ah oui! Oh! Oh, ça c'est utile ça. Lampe à huile, corde, bombe, tout en cours. J'ai tout en contrôle de l'objet. Attention. Tu peux viser pour le processus d'attaque en prenant le contrôle de Chia. Tu avec cet objet est utilisé. Oula. Je parle, mais comment? Très utile avec les objets explosifs tels que les lampes à huile, corde, bombe. Trop bien. Ok, donc. Je pense que ça va être une mécanique importante pour les. pour les combats. Ouais! Alors attends, c'est visé. LT, du coup. Chamboule! Non. Wouhou! Ok. Les ménévers. La machave? Que talan. Kasi si tia de tia. Mouta tu la corneige. La étonne la ménénève. Ah, j'imagine, oui. La puberté, non mais oh. On est où là? En Nouvelle-Calédonie? Bah ouais, on y est. La étonne. Ni tia na toa sati. Remeken toa kapala keti. Portik ni me avoua. Oula. Tia nge islaka. De Anaïsa un la itégoutou et Weli Weli. C'est Anaïs Jane,
La Meden et la Ichesinerase, Nasida et Hun. Ah, ok, d'accord, très bien. Ouais, donc c'était pas une ligne droite, quoi. Mais d'accord. Et je pense que la vidéo va bientôt s'arrêter, en fait, principalement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les... Merde. La taille du truc. Les grottes... Non. La taille du fichier va m'emmerder, donc j'essaie de faire des trucs de 30 minutes, ça sera plus simple. Mélodie dame, oui, bah évidemment. Alors, les bons dames. Ouais. Alors, attends, X. C'est un peu raft. C'est un peu raft. Oui, je suis sur un radeau. Enfin, c'est... Je sais pas à quel point ça se qualifie comme un radeau. C'est un X, une embarcation. Parce que, encore, un radeau, c'est vraiment juste une planche de bois. Hein. C'est... Là, il y a un truc pour la vitesse, pour transpercer l'eau, etc. Oh, la musique est incroyable. La musique, mais je la mange. Je la croque. Et l'eau! Les nuages! La vue sous l'eau aussi! Qui dégouline d'eau. Oh, c'est génial. Il y a un truc. Pourquoi ces arbres? Comment ça s'appelle? Je connais pas tous les arbres, malheureusement. La musique! Ok, on peut le pousser au moins. Attends, je vais au moins te mettre l'encre. Enfin, je vais mettre l'encre. Voilà, elle est plantée dans le sable. Et quoi là? Fruit d'endurance. On dirait un gros ballon. Oula! Ok, bah j'ai un point de plus. Bon. Y'a quoi là-bas? Ah oui, c'est un panneau. Tiens, y a un type là-bas. La musique! D'accord, très bien. Ah non, c'est pour une course. Hein. Je vais quand même faire la course. Faire des bateaux. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est... J'en ai marre. On voit la forteresse là-bas. Il y a un truc là-bas. Ah oui, c'est le feu de camp. C'est trop bien. Il y a quelqu'un qui pêche. Eh oh, faites quoi? Pêchez. Vous faites quoi, vous pêchez? Oui, je l'ai dit, là, c'est un pêche. Quelqu'un qui pêche, qu'est-ce qu'il fait? Il pêche. Enfin, les deux, ils pêchent. Il y a une fille qui vient de tresser, là-bas. Hop, on va arrêter le bateau, là. Avant que je tombe dans la... Ouf! Et voilà! Et le pigeon, viens par là. Tourterelle! Et voilà! C'est une vraie stratégie pour aller plus vite. Deux poids. J'ai loupé un truc. J'ai loupé un caillou. Il y avait un truc qui brillait, non? Ah oui, effectivement. Oula! Alors! Ah bah ça se voit qu'on est dans un jeu vidéo parce que je fais ça dans la vraie vie, je me pète une jambe! Ah ma voix est glaireuse. Oh la vache! Oh le slide dans les cailloux! Non, tu fais pas ça dans la vraie vie. Hein. Faut pas reproduire ça chez vous. Oh là, oh furet. Oh les jambes, elles doivent être éclatées là.
Ouais. Putain, je vais dormir. Voilà, je fais dodo. Littéralement la sieste. Bon, eh bien, avec la tourterelle qui fait du bruit à côté. Et bah c'était plus court, pour des raisons évidentes, que j'ai déjà expliqué deux fois, je vais pas les expliquer une troisième fois, mais c'était quand même incroyable, on est d'accord. Moi je suis d'accord avec moi-même, c'était incroyable. Vraiment ce jeu il est beau, la musique est magnifique, il y a le laissez-passer à 38. Il y a de la bureaucratie, attention, critique de la bureaucratie en plus. Il y a un bibandum qui est visiblement est l'antagoniste du film. Du film. Trop regardé Karine Desbaches, moi. Qui est l'antagoniste du jeu. Franchement. Hâte. Mais bon, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je vous dis salut.